Vous allez bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude, on s'entend pour faire une nouvelle vidéo sur GTA RP. Donc du coup, on s'est retrouvé à l'hôpital. Enfin, on était allé à la salle de muscu, je crois. Voilà. Et je me suis réveillé là parce que j'ai une grosse tempête et du coup, je suis rentré chez moi et je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Donc voilà. Et j'ai plus ma voiture de location. Donc je pense que je vais appeler un taxi. Je vais appeler un petit taxi. Hop. Et quelle heure là? 21h31. Oh non. Ok. Je pense. Mon téléphone n'est pas là. Ah non, c'est la police. C'est le shérif? Non. Ah non, c'est ta queue. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, Vanny. Très bien, et vous? Ah bah ça peut aller. Alors, est-ce qu'on va? À l'auto-école, s'il vous plaît. Auto-école, est-ce qu'elle est déjà là? Ah ouais, vous avez mis le point. Ok, super. Alors ça va monsieur, tranquillement? Bah oui, très bien, je viens d'arriver en ville. Ouais. Vous n'avez pas fait un voyage trop long? Non, ça a été. Bon bah c'est cool alors. Ouais. Ça fait plaisir. Vous venez d'où? Je viens d'Angleterre. D'accord. Ok. Ouais. Oh, bah c'est cool. Il y a une photo dans le rétro là, je sais pas ce qu'elle fout, mais... Comme le plus. Ah c'est bon, je crois. Ça fait longtemps que vous êtes en ville? Ça fait un petit mois, tranquillement. Ok. Hop. Je vais faire un petit peu vite, parce que j'ai deux autres appels là, monsieur. Ouais, très bien. Je suis désolé, je mets à quel nom, s'il vous plaît? Arthur Wilde. Tu mets à quel nom s'il vous plaît monsieur? Arthur Wilde. Arthur Wilde. C'est noté. Ah, parfait monsieur, merci beaucoup. C'est une agréable journée. Ouais, merci. Au revoir. Je veux pas que ça bug. Kevin? Je fais confiance. Tu me connais? C'est la troisième fois que je viens. Je te fais bien confiance. Je vais pas payer $150 pour rien. Oh. Yes. Alors. Bon bah du coup j'ai réussi l'examen. Donc maintenant on passe au test de conduite. Donc pour le beau jeu là, je vais essayer de me garer en marche arrière. Bon bah c'est bon, Kevin m'a donné mon permis, donc voilà, je vais pouvoir conduire une voiture, enfin, donc j'ai le permis. Donc là, je viens d'arriver au post-op, donc c'est mon nouveau travail. Là, c'est mon nouveau travail. C'est une entreprise de livraison. Donc voilà, j'ai marché 100 ans pour arriver au post-op, vu que j'avais pas de voiture, pour en payer une, bien sûr. Donc voilà, et j'y suis, et donc on va faire la première livraison.
crois que tu recules. Essaye de mettre la caméra, c'est pas mal. Oh ouais, bien quoi. Je sais pas ce que tu me racontes, mais j'entends pas beaucoup. Ouais, il y a fort quoi, ici, tout à l'heure. Non, non, je t'entends. Il y a que moi qui l'entends pas. Hein. Non, 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 j'entends pas, je t'entends. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, attends. T'as pas... Attends, t'inquiète, y'a... Je peux pas attendre 100 ans, j'ai une livraison à faire là. Ouais, ouais, tu attends, tu attends. T'inquiète, t'as tout le temps, j'ai construit mon pote. Ouais. Arthur? Oui. Vas-y. Arthur. Tu t'appelles Arthur? Où t'as foutu les pieds? Non. Vas-y, viens. Allez, fume. Oh, il a dû violer. Tu regardes un peu les actus ou pas? De quoi, excusez-moi, j'ai pas entendu. Tu regardes un peu les actus ou pas? Pas du tout. Je te conseillerais de terminer. Ok. Je peux juste faire ma livraison, elle est juste là. Non, non, non. Juste là. Non, non, rien à foutre de ta livraison. Que moi je t'explique là où là l'endroit où t'as mis les pieds. Ok. T'as récité chez moi. Pour construire, tu vois. Ok. T'es pas là, ça te parle ou pas? J'ai entendu parler, oui, je crois. Ouais. Tu m'expliques pourquoi t'es passé à Pinball comme un gros débile dans le quartier. Moi je parle pas de mon GPS de mes trois coups parce que je m'en branle. Pour moi j'étais à la bonne allure, ouais, je sais pas. Pareil. Bien. Pour moi j'étais. Bah, j'étais pas trop vite. Je sais pas du tout. Là, pourquoi t'es passé un quartier tout court? Bah parce que j'ai une livraison à faire juste là. Ouais. Donc toi tu passes en plein milieu du quartier de la Gatwin. Ouais. Tiens, prends ton téléphone et jette un oeil sur le fil d'actu. Ok. En gros sur le fil d'actu. J'ai mis un petit message où j'exploserai la gueule de ceux qui rentrent chez moi sans autorisation. D'accord. Bah excusez-moi, je viens d'arriver, j'ai pas du tout vu ça. Bah fallait le voir. Ok. Généralement je parle pas dans le vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Je sais pas du tout. Bah je vais t'exploser la gueule. Ok. Ni plus ni moins. Tu vas servir d'exemple à tous les trous du cul qui comprennent toujours pas qu'ici. Que nous fassions vos livraisons, on ne prend pas les couilles. Tu te gardes sur le parking qui est derrière moi et tu vas doucement. D'accord. Là t'es passé en plein milieu du quartier comme un skeg. Jusqu'en bas. Donc, je vais t'exploser la gueule. Ok. Si tu es ici à la police, machin truc. Tu leur dis juste que c'est Chi ou Jarel. Ils vont comprendre. Ok. Ok. Et toi, mets le long du mur à côté du truc de soda là. Voilà. Ferme. Viens, viens. Faut poser trop. Bon. T'es prêt ou pas? Retenez bien mon nom, hein, c'est Wide. Ah bon? Ça veut dire quoi ça? Vous allez peut-être me revoir. Ah bah attends. Eh hey, Néo, venez par là. Oh ouais. Y'a quoi? Je suis peut-être pas tout seul. Alors répète ce que tu viens de dire. Commence à me faire chier, voilà. Ah, vas-y, répète mot pour mot ce que tu viens de me dire. Bah, retenez bien mon nom, c'est Wild. Ah, parce qu'apparemment, on va le revoir, il est pas tout seul, blabla machin. Ah bon? Ah ouais, t'as qui? Ouais. T'as avec bah, qui? Pour l'instant, t'es vachement solo, mon pote. Ouais, mais plus tard. Mais comment ça, plus tard? Putain, il fait le malin là, il fait le malin. Vous allez faire quoi? Là, t'as pas l'impression d'avoir ouais, une putain d'arme sur toi? T'as pas compris qu'on est, hein. Non, non, man, dedans. Même deux.
qui te dit c'est qui. Tonton, je vais te fumer ta mère. Donc là, on est... Donc, il s'appelle comment? Wild, Wild, c'est ça que l'a dit. Toi, t'es quoi pour la prendre dans la nature ou quoi, man? Ouais, il est pas sans fumer, si tu m'en souviens. Ah, ouais, Pergrens, là, t'as con. De quoi? T'es prêt pour la prendre dans la nature avec ton blaze ou quoi? Non, pas du tout. Vous êtes venu faire quoi en ville? Parce qu'on était pas tout seul, je sais pas si vous avez un business, une organisation, quelque chose. Non, mais ça va se créer là, bientôt. Ah, fou, tu vas faire les trottoirs en fait, tu sens. Non, mais ça va se créer là. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, vous verrez bien. Non, écoute, si tu veux pas que mon égo à droite qui te pousse en plein dans le cul, réponds mes questions distinctement. Parce que là, t'es en train de me chauffer, moi j'ai bien rigolé, mais là, tu me casses les couilles. Là, tu me parles de groupe, je sais pas quoi là. Vous êtes venu faire quoi ici? On aurait pu être amis au lieu de commencer à... Non, rien à branler ça, t'as cru que j'avais besoin de toi, je sais même pas qui t'es, tu me dis je suis white machin truc, tout ce que je vois c'est un gogol en coaster qui fait du post-up là. Et je t'ai dit, je viens d'arriver. Donc, tu revendiques quoi, les réseaux machin truc, vraiment un peu business là, tu fais le bonhomme, joue au bonhomme. C'est quoi, vous êtes venu ici pour contrôler quelque chose, pour faire quelque chose, quelle drogue, arme, vas-y, parle un peu là. On va être dans l'illégal, donc j'ai rien d'autre à te dire de plus. Donc, quel voilà. Secteur de l'illégal? Non, mais vraiment, j'ai rien d'autre à te dire. L'organisation, et écoute, c'est pas compliqué, si tu me parles pas plus maintenant, tu prends le ballon à crâne et fin d'histoire. Ton cartel, tout ce que tu veux, tu te le fous. Fais pas ça, pas tuer de dame. T'inquiète. Oh, ça moi, ça toi là? Parce que la prochaine, je la raterai pas. Hein. On parlera business quand mon frère il arrivera en ville. Je n'ai rien à foutre ton frère. Truc tout con. Une règle tout simple avec moi. Quand je parle, tu fermes ta gueule et tu réponds quand je te pose des questions. En bas. Ok. Vous êtes venu faire quoi en ville? C'est quoi? Cartel, organisation, groupe? C'est quoi? Organisation et groupe. D'accord. Pour faire quel business? Armes illégales et. Drogue. Quelle drogue? Ça me démange, ça me cannabis. Démange. Oh. Réponse. Je suis pas de là, je reviens, mais avec un Axel White. Sans. Je vais te remettre les pendules à l'heure un peu. Si t'es personne, t'es rien. Si je veux là pour moi, tu tapines pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et toi, à genoux, quand tu me parles déjà. Toi, à genoux. Parce que moi, apparemment, toi et moi, on va se revoir, mais je crois que t'as pas trop compris à qui t'avais affaire là. Ou tu sais pas qui. C'est bon. C'est bon. Il ouvre bien grand la bouche. Ok. Faut que j'y mette mon canon bien correctement. Tiens-lui la tête, Kurt. Ouais, tant que je tiens. Écoute-moi bien, Axel, wait. Retiens bien mon nom. Moi, c'est G, tu t'es pas là. Ok. Tout ton désir de cannabis, machin, tu l'oublies. Si je te vois ne serait-ce qu'une fois, toi et tes petits copains sur le réseau, mm-hmm. Vous êtes morts. D'accord. Donc Axel White. Déjà que je voulais te broyer la gueule, là je te démembre. Et toi. Parce que les médecins pourront te ramasser correctement. Et ramène ton frère, Rami, si tu veux, je lui ferai même un pain. Si quelqu'un comme toi, ça commence à me casser les couilles. Lève-toi. Comment on se lève? Oh, t'as dit de te lever, man. Ouais, je le fais. Tu arrives ou... Ah ouais, tiens bien, moi, c'est G. De toute façon, t'auras pas beaucoup de mal à me trouver, tu me cherches. Oh putain! Oh!
Je le mets dans les canaux? Non, non, et tu le balances devant le tutel comme un chien. On va tous y aller comme à chaque fois. Vas-y, vite fait, je vais chercher un drop. Ouais.